Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Ici c'est Jonathan Hachi. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment rencontrer des millionnaires? Moi je sais que cette question elle a été posée tellement de fois en commentaire. Donc j'ai dit je vais faire une vidéo les gars pour pouvoir vous répondre. Parce qu'à chaque fois on me dit mais comment tu fais pour rencontrer autant de gens à interviewer, autant de gens qui ont des réussites successful comme ça. Comment tu fais? Donc je vais te dire comment j'ai fait depuis le début, depuis la base, pour que tu puisses comprendre le cheminement, ok? Donc peut-être il y a des gens qui font autrement, moi c'est comme ça que j'ai fait. Premièrement, j'ai lu des livres. Ah, qu'est-ce que tu me racontes, ça n'a rien à voir, machin. Non, mais je t'ai dit que je te donnais la base, ok? J'ai lu des livres, ok, pour changer mon mindset, d'accord? J'ai découvert déjà, en lisant des livres, j'ai découvert, ah ok, il y a un monde qui s'est ouvert à moi, tu vois. J'ai fait, waouh. Je crois que j'avais lu, je sais plus c'est quoi le premier que j'ai lu, Pouvoir illimité, je crois, de Tony Robbins. Après, quand j'ai lu Rich Dad, Père riche, père pauvre, là, c'était ouf, là. Là, mon cerveau, il a explosé. Ça a ouvert une case, j'ai rien compris. Ok, bref. J'ai vu que c'était un truc de ouf et que tout était possible, en fait, et que j'étais en fait, j'allais suivre un chemin que tout le monde suit, qui, en fait, qui est tout pourri. Échanger ma vie contre deux jours de repos par semaine, non, c'était pas possible. Donc du coup, bref, pour te dire qu'en gros, j'ai travaillé mon mindset. Mon mindset, il a changé. Ensuite, du coup, comme j'ai lu des livres, j'ai compris que mon mindset, il a changé. J'ai compris qu'il fallait que je me forme. J'ai acheté des formations, ok? J'ai acheté une formation en ligne qui m'a appris à comment monter un business en ligne, ok? Donc c'est pour ça qu'après ça, suite à ça, du coup, j'ai monté mon business en ligne, j'ai suivi la formation bien propre, j'ai monté mon business en ligne sous le saxophone, ça m'a rapporté du cash, ça m'a rapporté je ne sais plus à combien on est, mais plus de 60 000 euros. Et donc du coup, vu que j'ai eu des résultats, eh ben, le gars qui m'a formé, eh ben, il m'a mis en avant. Tu vois, le gars est toujours fier, le gars, t'es formateur, si jamais tu fais des formations, c'est pour avoir des élèves qui cartonnent tout, tu vois. Donc du coup, j'avais fait en plus un lancement à 20 000 euros sur une petite niche comme le saxophone, c'était énorme. Donc du coup, il m'a mis en avant, il m'a poussé en avant. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été mis en avant comme ça, déjà, ça m'a donné de la visibilité. Pas grand-chose, hein, c'est pas un truc de ouf non plus, mais voilà, ça fait partie du processus, on va dire. J'ai aussi envoyé un mail à tous les gens que je connaissais, enfin tous les gens avec qui j'avais peut-être, je m'étais déjà formé en immobilier par exemple avec Cédric Anissette, tu vois, et je lui avais acheté aussi une petite formation sur internet. Donc du coup, j'avais envoyé un mail pour partager ma réussite, tu vois, j'étais content et tout, j'ai dit ouais, voilà, j'ai envoyé un mail, je lui ai dit ouais, tu fais partie des gens qui m'ont permis d'atteindre ce résultat, donc du coup, je t'en fais part et tout machin. Ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que lui après, il m'a dit ah ouais, super, c'est un truc de ouf, vas-y, je t'invite en VIP dans mon quitter la ratresse live. J'ai dit ok, vas-y ok, ça fait plaisir et tout. Donc du coup après il m'a invité, donc je suis parti quitter la ratresse live. C'était la première fois que je faisais un séminaire en plus. C'était à ce moment-là où il lançait son mastermind. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais intégrer le mastermind. Je venais juste de faire un lancement à 20 000 euros. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais investir en moi. Je continue, tu vois, toujours dans la même base. Hein. On est parti du livre. Après, j'ai fait formation en ligne. Donc, j'ai dit, vas-y, maintenant, je passe au mode mastermind, tu vois, pour pouvoir continuer à évoluer. Et donc, du coup, ça fait que je suis arrivé avec des gens qui étaient tous millionnaires, certains même multimillionnaires. Et j'ai commencé à discuter avec eux. Donc, mon mindset, il a encore explosé encore plus. J'ai vu que tout était possible. Que j'ai vu aussi, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, les gens millionnaires, multimillionnaires, c'est des gens comme toi et moi. Je sais que je te le dis là, peut-être tu vas pas me croire, mais c'est vraiment vrai. Il n'y a aucune différence, c'est pareil. Bon, maintenant, c'est acquis, je le sais, tu vois. Mais la première fois, ça choque, parce que tu t'imagines toujours des millionnaires, genre avec des grosses montres, des grosses chaînes, des trucs comme ça. Là. Ça, c'est des clips, ça. Ça, c'est des clips, mais en fait, les gars, ils sont comme toi et moi, ils sont habillés comme toi et moi. Enfin, il n'y a aucune différence, c'est juste qu'en fait, ils ont de l'argent, c'est tout. Donc du coup, ils ont plus de confort, ils voyagent plus, mais c'est des gens comme toi et moi. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré plein de gens. Voilà. Et vu que l'une de mes capacités par rapport à mon don ultime, c'est de créer des liens avec les gens, je rentre facilement en connexion, tu vois, avec les gens, j'arrive à motiver les gens facilement. Après moi, une fois que j'étais dans le mastermind, j'ai sympathisé avec un peu tout le monde. Et après, je suis allé dans les séminaires. Et ainsi de suite, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand j'étais là, j'ai dit, vas-y, les gars, venez, on fait une interview, tout simplement. Donc voilà, t'as mon parcours de A à Z sur comment j'ai fait pour pouvoir commencer à faire des interviews. Donc évidemment, au début, comme j'avais abusé sur le saxophone, je faisais pas d'interview parce qu'il y a des gens qui disent, ah, il est sorti d'un coup.
on le connaissait pas, il sort d'un coup. Bah ouais, mais en fait, j'étais déjà dans le monde de l'infoprenariat, sauf que j'avais mon business sur, en ligne sur le saxophone. Et après, quand j'ai décidé de me lancer sur le business, être coach business et lancer une chaîne YouTube sur le business, sur l'entrepreneuriat, bah donc du coup, j'ai tous les gars avec qui j'étais tout le temps, enfin en tout cas qu'on se rencontrait à chaque fois pour les masterminds, j'ai dit bah vas-y les gars, venez on fait un interview. Et puis après, en plus du mastermind, après je suis allé dans des séminaires, tu vois, et là tu rencontres d'autres gens. Et tu vois, ça se connecte, tu connectes facilement parce que vous avez les mêmes valeurs, vous êtes dans le même délire, donc ça va super vite. Après tu dis vas-y, viens on fait un interview et tout machin. Après voilà, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir tout ça d'interview. Et puis après, une action, on emmène une autre, ça en entraîne une autre. Enfin voilà, après, ça s'enchaîne, tu vois. C'est parti de base où j'ai lu un livre. Donc voilà, c'est l'effet cumulé, mon ami. Donc voilà, je t'ai un petit peu raconté ma life. Mais maintenant, voilà, tu sais comment j'ai fait pour pouvoir rencontrer tout ça de gens aussi. Ouais, après, je t'ai sauté aussi une partie. À un moment donné, je me suis fait coacher aussi. Je me suis fait coacher qui m'a permis de savoir exactement pourquoi j'étais fait, dans quelle direction je suis allé. C'est pour ça maintenant que je suis coach business. Et donc du coup, le fait de me faire coacher, ça m'a permis de rencontrer encore d'autres gens. Et c'est pour ça que tu as vu Eric Béazin, j'ai fait une interview avec lui. Donc voilà, voilà. La boucle est bouclée, tu sais tout maintenant. Ok, donc en gros, si toi tu veux faire des interviews, il faut juste que tu te formes, d'accord. Tu commences par lire des livres, ça va augmenter ton mindset, tu vas commencer à générer du cash, te former. Plus tu vas te former, plus le cash il va venir en fait. C'est tout. Et après, tu vas évoluer, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même délire que toi, et après, tu pourras les interviewer si jamais c'est ce que tu veux faire. Ok, donc voilà. Donc pour ceux qui ont un business sur la santé, que les relations ou l'argent, d'accord, t'es coach, thérapeute, t'es infopreneur. T'as une expertise dans l'immobilier, dans la bourse, t'es sexologue, enfin, dès que tu fais partie de ces trois thématiques, clique sous le lien sous la vidéo, d'accord, dans la description, pour pouvoir avoir une session offerte avec moi, parce que je vais t'expliquer comment tu vas passer de 0 à 10K par mois en 3 mois, d'accord. C'est une stratégie qui sera personnalisée à ton business. C'est une session offerte de 45 minutes, donc ne laisse pas ta peur t'empêcher de prendre un rendez-vous. Enfin, je veux dire, il va rien se passer là. Au pire des cas, tu vas sortir avec une clarté de ouf sur ton business, ça va te permettre d'évoluer. Donc, tu vas rater quelque chose si tu ne prends pas rendez-vous. Donc, clique sur le lien pour prendre rendez-vous, tu vas mettre ton mail dans un premier temps, d'accord, c'est pour que je puisse te recontacter. Et après, tu vas tomber sous mon calendrier, tu vas choisir le jour et l'heure selon tes disponibilités et les miennes. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo.